Et enfin, des parties de golf pour célébrer un centenaire, celui de la section golf de Feipi. Pour honorer cet anniversaire, 3 journées de compétition à Atimaono. Parmi les équipes inscrites, beaucoup de jeunes espoirs se dévoilent. La plupart est âgée de 12 ans et les candidats excellent déjà sur les greens, comme vous allez le voir dans ce reportage de Rowan Potoru et Lorenzo Marama. 12 ans à peine et déjà l'étoffe d'un grand champion. Après 3 ans sur les greens, Wilson réussit à doser ses coups en fonction du terrain et des conditions météo. Pour ce matin, sa difficulté majeure, c'est le vent de travers. Ce matin, on avait un peu de vent. Hein. Du coup, il fallait attaquer. Hein. Il fallait jouer avec le vent. C'est pas facile aussi à maîtriser cet effet. Quoi. L'objectif dans cette compétition, c'est quoi? Au moins arriver sur le podium. Hein. Ça veut dire qu'il faut faire combien de cours là? Faire environ dans les 60. C'est bon, c'est accessible? Oui, très accessible. Hein. Autre espoir chez les féminines, Reipuaiti Ateo. Après le 9e trou, sa carte de jeu est excellente. Elle sort 3 birdies, soit moins 3 sous le par. 50 en tout, on est à 60. On a 69. Il y a une concurrence entre toi et ta sœur? Non, ça fait pas longtemps qu'il vient de reprendre, du coup c'est encore une débutante un peu. Faut juste faire gaffe au vent, s'il va à gauche, tu vises un peu à droite pour qu'elle revienne. Et si le vent est à droite, tu vises un peu à gauche. Autre jeune prometteur aussi, Teimana Argus, 13 ans. Son jeu est précis, tout est millimétré. Normal, il envisage déjà une carrière chez les pros. Et c'est bien parti pour. Là, ça va, on joue bien. On est toujours au par. On espère que ça va bien se passer hein, sur les derniers trous. Puis, on s'amuse, quoi. Et au final de cette journée de scramble, c'est l'équipe composée de la jeune joueuse Reipuaiti Ateo et Vete Amai qui l'emporte au classement brut avec un score de 65 coups sous le par. Et en net, c'est la part Sewert, Bertrand et Nicolas. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.